Eh bien salut à tous et bienvenue sur Magic Rim, le serveur que j'ai créé avec des youtubeurs comme Zaractos, Telebi, Carnosa, Luender, moi et Quincel, qui est ma copine, donc qui n'est pas youtubeuse pour l'instant. Et bon, et aujourd'hui, nous allons aller dans Laser, donc c'est parti, je vais ouvrir le portail tech. J'ai un seau d'eau qui me reste. Waouh. Let's go. Les autres sont ensemble, s'il vous plaît. Oh, je sens que... ça va tuer des oiseaux à coups de... à coups de boule de feu. J'ai une boule de feu. Non, je crois que j'ai une boule de ténèbres. Je devais pas avoir de boule de feu dans mon bâton magique. Je sais plus. Waouh. Eh bien, c'est super. Et apparemment, je suis le premier à venir, j'ai l'impression. Ça a l'air clean. Ok. Eh bien, écoutez, c'est parti. Je me mets nu, on va survivre comme ça. C'est pas vrai. Hop. Il fait nuit aussi dans Laser, je sais pas. Donc, je peux me transformer en loup-garou dans Laser. Okay. Donc, ça posera moins de problèmes pour la luminosité. C'est super. Ok. Là on a les nuages, heureusement que je peux voler, ça va être vraiment pratique. Parce que en gros, alors t'as les nuages normaux, où on peut se mettre dedans, c'est la fête. T'as les nuages bleus qui sont voilà, des trampolines. Je suis un succès. Ça, ça doit être... ok, ok, ceux-là sont horribles. Ceux-là te poussent et je crois que les jaunes, c'est pour courir plus vite. Voilà, c'est des nuages. Ça vous fait courir plus vite, c'est pas mal en vrai. Je pense que j'irai en prendre plein. Ah, je sais pas si j'ai une pelle. Je pense que ça se prend avec une pelle. Ouais, ça a l'air. Ça, ça peut être intéressant. Genre pour faire un tapis roulant quelque part, je sais pas. Ça peut être cool. Je sais pas ce que je vais en faire, mais ça peut être cool. Tech, tech. Je récolte tout ça. Ok. Eh bien, on va commencer à explorer. Alors, le truc, c'est que ça fait très 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 longtemps que j'ai pas joué au mode Aether, donc je suis assez perdu. Alors, ça, normalement, je crois qu'il faut le casser. Voilà, ça te fait des baies. Tout simplement. On peut replanter les baies? Non. On peut pas les replanter. Donc il faut sûrement avoir... peut-être... ah ok, on peut les récupérer. Très bien, dans ce cas on va tout prendre. Je me suis dit peut-être qu'il faut une pioche... et j'ai oublié le nom. Le nom des pioches, Silk Touch, voilà. Mais non, mais pas du tout. Il suffit de tout casser à la main. C'est parti. Et prochaine fois pour de vrai, on aura installé le mode Harvest Craft, hein, promis, surtout pour Tenebi qui peut installer. C'est un mode en gros à la Harvest Moon ou Stardew Valley où on va pouvoir cultiver des choses, les revendre et plein de trucs comme ça. Du moins de ce que j'ai compris, hein, je me suis très très peu renseigné sur le mode pour l'instant. Et il faut que je l'installe. Bon, s'il marche pas, il marche pas, mais il faut que je tente au moins. Tac, voilà. Alors là, on a des vaches volantes. Je sais pas ce qu'elles font les vaches volantes. Est-ce qu'on a déjà achievement dans Laser? Oui. Ok. Donc on peut essayer de choper de l'arbre. On peut... ok, oui. Trouver un compagnon, avoir un moa. Tuer un tempest, on n'a pas encore trouvé. Ça j'ai fait. Tuer un zéphyr, ça on n'y est pas encore. Tomber de laser et aller dans un donjon. Ok, donc je pense qu'on va surtout chercher un donjon. Alors ce que je vais faire par contre, c'est que je vais créer peut-être une légère maison de laser. Je ne sais pas si je vais faire ça en détail aujourd'hui. Ok, on peut se faire tout ce qui... ok, je me souviens. Je me souviens, on peut se faire plein de trucs dans les arbres. Voilà, mais je suis un peu perdu en vrai. Ça fait très très longtemps que je me suis pas renseigné là-dessus. Je vais tenter. En vrai, les arbres sont cool. Donc ça, je retiens. J'irai chercher les saplings et je les installerai chez moi. Parce que les bleus, ils sont trop bien. Regardez-moi ce bleu magnifique dans les feuilles. C'est la fête. Alors. Personne n'a vu ça. Il ne s'est rien passé. J'ai voulu essayer. Oh, attendez, c'est quoi ça? Ah non, c'est juste des nuages. Ok, par contre là-bas on a des minerais. Tiens, ça c'est méchant. Approche. Voilà, ok, il y en a plein d'autres. Ceux-là ils ont le cancer, ce qui ils poussent en fait. Ce qui est bien, c'est que j'ai mon cloud pet, donc j'aurai moins de problèmes vu qu'ils me pousseront, mais je volerai. Mais ça reste un peu cancer. Ok, bon, ça va très vite, efficience 4 encore une fois. Hein. C'est la fête. Ok, et là c'est tout. Où est-ce que je fais ma maison? Où est le portail déjà? Je suis déjà perdu. Il était là-bas, non? Ok, alors je crois du portail. Ah, il est là. Ok, donc je vais faire une maison par là. Pourquoi pas? Maison de laser, une maison volante. Tac, tac, tac. Bon, on n'aura pas grand-chose. Hein. On aura le bois de laser et c'est tout. C'est déjà pas mal. Voilà, je sais pas comment je vais me débrouiller. Je pense que je vais me faire un petit champ. On va commencer à déblayer les arbres, je pense. Ça peut être bien, je vais déblayer aussi tout ça. Oui, je sais, on était parti pour faire des donjons et tout ça, mais finalement... finalement, une maison, pourquoi pas. Au moins un abri, pas un truc très très complexe pour l'instant, au moins juste un abri.
Je ferai sûrement un truc bien plus complexe plus tard, mais là pour l'instant, non, juste un petit truc, voilà, une maison dans le Nether. Je me ferai une maison dans chaque dimension, une dans Candycraft, peut-être pas dans le Nether. Bon, quoique après, pourquoi pas. Hein. Voilà, donc ça commence à être un peu plus clean. Ok. Tac, tac, tac. Ok, alors voilà, là c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on peut faire comme bûche? Ok, Skyroot. C'est pas ce que je préfère, mais ça ira. Ok, alors je pense que je vais par contre faire les routes en pierre. Donc je vais aller tout de suite créer une mine. Peut-être pas directement là. Là par là, ça serait peut-être pas mal. Voilà, là c'est bien pour faire une mine. Voilà, c'est un peu lent. La pioche en métal. La pioche en diamant est un petit peu lente, mais ça va. Faudrait que j'essaie de farmer de l'onyx aussi. Si je fais un live à un moment sur Magic Realm, pourquoi pas. Hein. Je sais pas quand j'en ferai un. Hein. J'en ferai sûrement dans pas trop longtemps. Pour ça, je sais pas. Il faut aussi que je repropose à tout le monde de faire des donjons de Blazer quand j'en aurai trouvé. Parce que j'ai proposé, ils m'ont dit qu'ils étaient chauds. Enfin, Tenebi m'a dit qu'ils étaient chauds. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ice Stone, ok. On va faire quelque chose avec ou c'est inutile? On va faire un. Oh, ça solidifie l'eau et la lave. Ok. Ok. Très bien. Faire des escaliers. On peut faire oui. On peut faire des trucs en obsidienne avec des trucs phénix. Ok. Je vois comment ça marche. Ah, pourquoi pas faire mes sols comme ça? Alors par contre, ce qui m'intéresse, c'est comment faire un pendentif. Ok, c'est simple à faire, c'est simple. J'ai pas les matériaux, mais c'est faisable. Je me ferai un pendentif. Ça permet d'augmenter la vitesse de minage, je crois. J'ai pas trop vu. Je me renseignerai, je me ferai du bon stuff de laser. Et je pense que, en vrai, je vais peut-être un peu me déstuff quand je serai dans laser. Parce que là, c'est vrai que je suis complètement craqué. Surtout dans Candycraft. Je pense que dans Candycraft, je vais y aller genre nu, à poil, rien à battre. Et YOLO. Tac, 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 tac. Faut aussi que je pense à continuer les events. Ça, j'y ai pas pensé, c'est vrai. Ok, ça devrait aller comme ça. Finalement, j'abandonne l'idée de faire des routes dans le minerai de tout à l'heure. Attendez, là par contre, je sais pas ce que c'est comme résistance, comme, enfin, comme quoi que ce soit, ce matériau, ça se trouve, c'est genre aussi fort que du diamant. Mais je prends tout. Qu'est-ce qu'on peut en faire? Du zanite, ok. On peut en faire des blocs, des armures, un pendentif qui, oui, augmente notre vitesse de minage. Une pioche qui devient de plus en plus forte, ok. Elle grows stronger, donc c'est qu'elle devient de plus en plus forte. Là, un anneau qui augmente la vitesse de minage. Ok. Et un altar, ça, il faut que je me souvienne de le faire. Il faut que je me souvienne, il faut que je me souvienne. Ok. Je vais peut-être. Ouais, je sais pas. Est-ce que je me déstuff totalement? Parce que je pourrais juste déposer mon stuff dans ma maison de laser et faire un laser un petit peu en mode vanilla. Parce que là, c'est vrai que. Là, c'est simple avec tout mon stuff. Je sais pas. Attendez, c'est quoi ce nuage violet? Il fait quoi? Il pousse! Ouah, il pousse. Il tortille pousse même. Ouais, donc ça, c'est clairement plus utile si on veut faire un tapis roulant. Ok, je retiens. Nuage violet, c'est le bon plan. Je vais sûrement l'oublier, donc. N'hésitez pas à me le rappeler. Ça, c'était un plan pour faire cuire, pour faire pousser des oranges, je crois. Là, il y en a là-bas. Ok. Ok. Voilà. Et allons faire une petite maison. Alors en vrai, ah, ici c'est un peu. Pourquoi pas la faire sur le bord? Je sais pas. Ça peut être sympa sur un bord, mais en haut aussi ça peut être bien. Je sais pas encore comment je vais me démerder. On peut faire quelque chose avec. Ah yes, on peut faire des briques. C'est ce que j'espérais faire. Et on peut en faire des keystones. On peut en faire des headstones. On peut en faire beaucoup de choses. Ok. Donc c'est parti, on va commencer la construction de la petite cité de Laser. Tac. Non, pas comme ça. Voilà, oui, c'est pas mal. Ok, donc je vais laisser la glowstone qui est ici. Et on va commencer la route. Tac, je récolte ma pelle. Alors, je sais pas comment je vais me débrouiller. Je sais pas encore, j'ai pas fait de plan. Tout ce que je sais, c'est qu'on va tenter de voir ce qui rend le mieux en route. Est-ce que c'est ça qui rendrait le mieux, genre des routes pavées? L'inverse peut être intéressant aussi. Attendez, on va tester ça. Ça rend comment? Mince, 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 mince. Ça rend comment? Ah, ça rend limite mieux.
Je trouve. Je trouve que ça peut être mieux. À moins que. Je fais des tests. Comme ça c'est intéressant aussi. Allez, allez, va pour ce design là. Il me va. Il est pas mal. Je suis plein. Ok. Alors. Je vais faire ma maison. Moi je pense que je vais m'y mettre. Si je faisais une plantation par ici, là c'est déjà pas mal au niveau plantation. Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'aurais peut-être dû réfléchir à des plans sur comment je vais gérer ma cité de laser. Faut laisser des arbres, ça c'est clair. Il n'y aura pas la place pour tout le monde non plus, vu la petite taille qu'on a sur l'île. Après, on peut faire des escaliers pour descendre. Genre là-bas, c'est assez grand, on a pas mal d'espace. On peut faire une cité pas mal sur laser. Et pourquoi pas. Et pourquoi pas, genre. Là, on est genre mon île. Genre que ça, vu que je suis apparemment le premier à aller sur cette île-là, que ça soit mon île. Genre, tout ce plateau-là, c'est à moi. Et que, genre, je fasse des ponts. Par exemple, que je fasse un pont qui, je sais pas, qui va aller jusque là-bas, qui va nous permettre d'aller sur l'autre île là-bas, et genre, je la construis en sable, en nuages jaunes. Enfin, je sais pas, je peux faire des grands raccourcis, en fait. On pourrait se faire une île chacun, et avec les nuages, avoir, en fait, un peu des autoroutes, en fait. Je sais pas, faudrait que je réfléchisse avec tout le monde. Faudrait que j'invite des gens pour faire une ville sur laser. Ok, on va rien faire. Dans ce cas, on va juste faire une petite cabane. Ici, là, c'est parfait. On va faire une légère cabane. Voilà, c'est vraiment, vraiment léger. Tac. Tac. Puis comme ça, on va pouvoir aller partir à l'exploration de laser. C'est nul. C'est même dégueulasse. On va tout refaire. Ne vous inquiétez pas, ça vient. Je vais y arriver. Je vais y arriver. On va faire une petite cabane, un peu une petite cabane du constructeur. Et je pense que je vais inviter, bah, pour le prochain épisode, le max de personnes que je peux. Hein. Je sais pas si Zarachnos viendra, je sais pas si Tenebi et Carnosa, je pense qu'ils vont venir. Après, Carnosa, si j'ai bien compris, est devenu mono d'un gros serveur. Donc, apparemment, enfin, moi là. Ok, alors ça m'a l'air plus long par contre. Oula. Qu'est-ce qui se passe? Je suis bourré. Ok, c'est bon. Alors, comme je le disais, faudrait qu'on conserve les animaux aussi. Faut que je les tue, faut que je me retienne. Les nuages, ça dégagera. Ça, c'est méchant. Hop, au revoir, merci. Ça peut être sympa à utiliser. Ça, c'est cool. Des baies. Ok, alors, on va tout de suite commencer par le commencement. Bien joué, merci à tous. On va commencer par la petite maison. Donc, pas besoin d'un truc extrêmement grand. J'ai peut-être un peu abusé tout à l'heure sur la grandeur. Oups. Voilà, ça devrait être pas mal. Je fais combien? 1, 2, 3. Ok. Et là, il va me manquer des matériaux, donc c'est parti. En demi-dalle. Voilà, c'est la maison. Tac. Un peu de skyroot. Voilà. On fait une maison très très sick. Je sais pas comment on peut se débrouiller dans les heures. Je pense qu'on peut faire des entre guillemets vitres en nuages. Ça peut être intéressant. On peut faire des trucs cool dans laser. Faut voir. Et puis on a tous les blocs modifiés aussi qui peuvent faire un thème un peu bah île volante en fait. Donc je sais pas comment ça va se passer, mais j'ai mes cheveux qui me grattent, c'est aussi insupportable. Insupportable. J'ai trop de cheveux. Faut que je me coupe les cheveux. Voilà, c'était l'anecdote inutile. Voilà, on peut faire plein de trucs, je pense. Et donc je ne sais pas encore comment je vais me débrouiller. Déjà là on a une maison classique. On va faire des portes, voilà. Ça se stack pas ces portes là, ok. Voilà. C'est moche. C'est extrêmement moche. Ah, si j'avais assez d'ice stone, je pourrais en faire un toit en ice stone. Bon, on va faire un toit très très classique. Voilà, l'important c'est une maison fonctionnelle. Il faut qu'on puisse mettre des coffres. Il faut qu'on puisse mettre les trucs qui vont nous servir à crafter, etc. Tout ce qui va être utile à laser va aller là-dedans. Et du coup, prochain épisode, effectivement, j'inviterai le max de personnes possible. Bon, peut-être pas prochain épisode, parce que c'est vrai que maintenant que j'y pense, je sais pas si tout le monde sera dispo n'importe quand. Donc, bah, bientôt, j'inviterai des gens. On essaiera de gérer ça. Aussi, j'essaierai peut-être de parler à Tenebi par rapport à son mode, si on arrive à l'installer, pour qu'elle essaie de nous apprendre.
pourquoi pas. Enfin voilà, je réfléchis à plein de trucs, donc bon, c'est une maison, c'est moche. C'est moche, c'est genre même pas fonctionnel, c'est juste moche en fait. Est-ce que je peux peut-être... Alors je monte ça comme ça, faire un petit sol assez classique. Oui, j'aurais bien aimé faire le sol en autre chose en fait. J'aurais bien aimé avoir de l'ice en masse. Mais bon, je vais me débrouiller. Tac, tac, tac. Faut que je me renseigne sur la qualité, sur la grandeur aussi de l'espace de la map. Enfin, la map, je sais qu'elle est en train de devenir lourde. Donc il faut que je fasse gaffe parce que ça se trouve, le serveur n'est pas disponible avec beaucoup, beaucoup de place. Je paye pas très, très cher. Faut que je le renouvelle aussi. Faut que j'y pense. Sinon, on n'aura plus de serveur, tout va disparaître. Tac, 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 tac. Et on serait obligé de lancer la saison 2 direct, ça serait un peu dommage. Tac. Voilà. Voilà, alors là c'est la définition même de fonctionnel. Il manque une porte. Excusez-moi, j'ai perdu une porte. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ma porte? Où est ma porte? Non, mais s'il te plaît la vache. J'ai pas mon golden lasso en plus. J'ai pas le choix. Oula, ça j'avais oublié que j'avais looting. Bon, j'ai déjà perdu une porte. Ok, bah je vais en crafter une, c'est pas grave. Hop, voilà. Voilà. Alors, voilà, c'est fonctionnel. C'est vraiment le terme fonctionnel. Tac, on va faire des coffres en Skyroot. C'est les coffres spéciaux de laser, donc c'est parfait. Encore un peu plus de bois. Oh putain, j'ai fait de la merde. Voilà, c'est très bien. On en a 6 coffres. Et on va commencer à stocker. Voilà, ça stocke. Ça suffira. Là, je vais mettre ce que j'ai trouvé jusqu'ici. Ça, je vais le garder. Oups, pardon, ça c'est mon chest pet. Ok, c'est parfait. Je commence à avoir ce qu'il faut. L'idée commence à venir petit à petit. Alors, déjà, on va commencer par... un pendentif, voilà. Comment on équipe ça? C'est là-dedans. Pendentif, voilà. Neckwear, ça me permet de miner plus vite. Je vais même aller tester ça tout de suite. Alors qu'est-ce que ça donne? Est-ce que c'est vraiment beaucoup plus rapide? Je sens une légère amélioration. Ok, comment on fait un anneau? Un anneau, ok, très bien, classique. Je vois comment ça marche. Bonjour. Un anneau pour les gouverner tous, dominer tous. J'ai oublié comment ça se disait. Tac, voilà, je vais en faire 2. Et logiquement, là, je mine très très vite. On va retest. Ça va plus vite, je sens une amélioration, clairement. Je pense. J'espère. Ok, alors, hop, tac. Ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va avoir besoin de manger. Alors, je vais instaurer une règle dans la laser. Je la dirai à tout le monde et je demanderai s'ils sont d'accord. Je pense que ça peut être raisonnable, pareil pour Candy Craft. Ce serait que quand on va dans laser, on ne garde rien. Je sais que cet épisode je l'ai utilisé en utilisant des outils. Mais je propose que quand on aille dans laser, on garde genre juste nos ailes. Donc nos pets en fait et tout ça. Mais genre tout ce qui est stuff, donc équipement en diamant. Tout ce qui est... oui, tout ce qui est équipement en diamant, tout ce qui est outils, je propose qu'on le laisse à la maison. Histoire qu'on ait un petit peu une je sais pas comment dire, une expérience un peu neuve, quoi, un petit peu... Toi, tu meurs, merci. Ouh, là, je meurs. Moi aussi. Voilà, histoire qu'on soit pas craqué, en fait. Ah oui, non, mais vous avez le cancer. Voilà, merci. Merci de me respecter. Alors, c'est quoi ces fleurs-là? White rose, ok. Et qu'est-ce que ça donne? Je l'ai perdu. Rien, ça sert à rien. C'est juste sympa. Ok, ah, attendez. Oups, le cloud pète. C'est juste sympa. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rangé tout mon inventaire. Mais dérangez-moi ça. Merci. Alors, voilà. Je vais crafter aussi avant que je l'oublie. Parfait, j'ai pile ce qu'il faut. Un altar. Alors, l'altar, encore. C'est pas grave. Et restera là, c'est Vacheline, voilà, c'est un nom de merde. Alors, comment ça marche? Si je me souviens bien, vous mettez, genre,
plein de trucs. Faut être clic droit. Et ça fait rien. Oui. Ok, ça fait rien, on peut le récupérer. Je vais tout remettre dedans. Je me souviens, ça y est. Je me souviens comment ça marche. Merde. Bon, on retente. Putain, j'ai un night bulb, c'est pas censé être là. Tac, 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 tac. Voilà, là ça tourne très vite, c'est super, ça fait sûrement laguer. Si je mets une gemme, il se passe rien. Par contre, ce que je sais, c'est que si je mets une pierre dedans, je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, si je mets un caillou dedans, une holystone, vous allez voir. Caillou! Waouh! Il y en avait peut-être un peu beaucoup de cailloux, j'ai un peu abusé. Voilà, ça fait des healing stones. Donc, qu'est-ce qu'une healing stone? Eh bien, c'est très simple. C'est un. Attends de me ranger mon inventaire, je me trompe de touche tout le temps. Donc, c'est un ustensile qui permet. Alors, si je me souviens bien, ça redonne de la vie quand on la consomme. Voilà, c'est genre tu la manges et tu gagnes de la vie. C'est cool. Le truc, c'est qu'on peut faire plus de choses avec l'altar encore. Ah, et merde, j'ai encore rangé mon inventaire. Je pense que. Genre, si je marque. Je sais pas, Healing Stone. Est-ce que... Ok, donc là on a les Healing Stone classiques. Est-ce qu'on peut genre avoir... Avec Stone peut-être. Faut que je vérifie ce qu'on peut crafter avec Laser. Parce que là je bute. Stone de régénération. Faire des Stone éthéréales qui donnent l'invisibilité. Ça permet de flotter je crois. Ça augmente la rapidité. Donc il y en a plein. Et tout se ferait avec l'altar. Me demandez pas comment ça marche. Je n'en sais rien. Avec des fruits peut-être. Si je remets des healing stones, non. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de laser? Ça marche pas. Ah, ça marche. Je suppose qu'il nous faut le machin jaune. Oula, mon cloud pète. Je suppose qu'avec le machin jaune, ça passe. L'espèce de minerai, en fait. On va aller juste voler ça ailleurs. Oui, je sais, j'ai dit qu'on cheaterait pas, mais... Enfin, on cheaterait pas, on enlèverait le stuff, mais... Ouh... Mais j'ai changé d'avis. Enfin, non, c'est faux. J'ai pas changé d'avis, mais... Au revoir. Ah, je peux pas le lancer, c'est bon. Je le fais juste pour cet épisode. Alors, c'est un donjon. C'est le labyrinthe du slider. Parfait, donc il va me falloir des gens pour faire ça. Bonjour, ça va? Au revoir. Très bien. Oula, mais c'est stylé! Aou, aou! Je crois que c'est du feu glacé. On va se calmer. Ok, donc on a un premier donjon ici. Il va me falloir des gens. Il va me falloir un groupe. Il va me falloir une équipe. En plus de ça, il me faut une équipe... Pour aller créer toute une ville dans Laser. Eh oui, c'est mon nouveau but. Écoutez, on a des maisons craquées dans la première dimension. Alors, pourquoi pas se lancer dans... Je suis en train d'essayer de pénétrer dans mon jardin, là. Il y a quelqu'un dans mon jardin de l'autre côté. Est-ce qu'il y a un mob qui a réussi à se taper dans mon jardin? Enfin bref, nous on va se laisser là. Je vais essayer de récolter une équipe pour la prochaine vidéo. Ou la prochaine, mais avec un peu de chance, la prochaine. Tenebi est toujours co, voilà, donc je pourrais lui demander comme ça directement, je pense que j'arrive à demander plutôt sur le Discord. Et voilà, on va pouvoir se mettre dans Laser, je pense que ça peut être intéressant, parce que là on est assez craqué. Bien qu'on n'est pas très très loin dans la série, du moins pour moi je suis pas très très loin dans la série. Donc je trouve qu'on est assez craqué. Donc je propose qu'on pose nos stuff et qu'on aille faire un petit peu entre guillemets une nouvelle aventure dans Laser. Puis dans Candy Craft, même si je pense que Carnosa est déjà allé dans Candy Craft plusieurs fois. Ça peut quand même rester sympa de refaire entre guillemets une mini survie. Pareil, on va installer le mode pour les champs, ce qui va rajouter un gameplay absolument exceptionnel. Enfin, j'espère juste qu'il marche ce mode. Et voilà, s'il marche, ça va être super. On va avoir plein de nouvelles choses à faire. Et voilà, Magic Realm, ça a commencé un petit peu à faire le tour. Hein, petit à petit, au fil du temps, on commençait à être craqué, à faire le tour. Et bien, je peux vous le dire, pour les prochains épisodes, ça va être un petit peu comme une saison 2. On va acheter des modes épiques, on va faire des nouvelles survies, du moins si les autres veulent bien. Et ça va restart. Je vais essayer de ramener Zarathnos à nouveau parce qu'il a toujours pas continué sa putain de structure. Voilà, on va tenter, ça va être super, juste. Chut, je suis un ninja. Je fais juste regarder. Oui, ça se développe. Ok. On va pas se taper l'incruste plus que ça. On m'a pas vu. Je suis rentré par le garage.
Donc personne m'a vu. J'essaie de fermer la porte. C'est bon. Personne m'a vu. Enfin bref, on va se laisser là. Et voilà, je te montrerai aux autres une nouvelle équipe pour continuer. Du coup, moi je vous dis à plus et à la prochaine. Par contre, ma maison c'est celle de là-bas, donc on va terminer sur ma maison. Zou! Bon, ça s'arrête quand?